Alors, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 janvier 2024 et j'ouvre le second webinaire de la série annuelle Les Galactiques 2024 qui ont tous lieu le dimanche à 17h. Tous les thèmes des webinaires sont de sources extraterrestres vues et racontées par mes contacts extraterrestres, notamment grâce à mon contact principal Zen, directement à l'écrit ou en audio. Ce n'est pas de la télépathie, ce n'est pas de la canalisation. Le thème de la présentation aujourd'hui est la grande expansion et l'arrivée des extraterrestres sur Terre avec leur technologie avancée. S'il y eut sur Terre, dans les temps anciens, des bouleversements chaotiques dont on trouve encore des traces sur des sites archéologiques ou certaines formations géologiques, une grande partie des catastrophes mentionnées dans les textes historiques et sacrés ne sont pas le résultat d'une collision avec une météorite ou avec une petite planète, mais ce sont les conséquences de guerres et de conflits violents entre différentes lignées extraterrestres. Ce sont ces guerres qui ont amené les extraterrestres à finalement atterrir sur Terre. Les bases de données extraterrestres offrent un regard vaste, détaillé et souvent inattendu de l'histoire de la Terre et de l'environnement galactique. Ils ont appelé ces guerres les guerres d'un million d'années et elles ont généré une migration des peuples stellaires vers différents systèmes solaires, dont le nôtre. C'est cette migration qu'ils appellent aussi la grande expansion. On les appelle les guerres d'Orion parce que de nombreuses espèces de la même lignée, de grands gris ou de draconiens reptiliens, ont commencé à prendre possession d'une partie de la Voie lactée depuis la constellation d'Orion. Ils venaient d'un autre secteur de la galaxie, peut-être d'un univers parallèle ou d'une autre ligne de temps. En sortant du trou de ver dans lequel ils voyageaient, ils se retrouvèrent dans la constellation d'Orion. Ils s'y installèrent, commencèrent à créer des bases d'opérations, des colonies, à partir desquels ils se mirent à coloniser les planètes du secteur proche. Ils forment maintenant un empire que l'on appelle l'Empire d'Orion. Ils poursuivirent leur conquête de nombreux secteurs de ce cadran de la galaxie et un jour, ils arrivèrent à la constellation de la Lyre, dont le soleil principal est Vega, et où il y a plusieurs belles planètes que les colonisateurs d'Orion convoitaient. Face à cette force d'invasion, les Lyriens ont fini par fuir leur planète en petits groupes et se cacher dans tous les coins possibles de ce secteur de la galaxie. Cet épisode est connu sous le nom de « Grande expansion de la Lyre ». Ces survivants lyriens sont devenus depuis nos ascendants, les humains sur Terre, les Pléiadiens du système des Pléiades, les Humites de la planète Humo, les Alphratiens de la planète Alphrata ou les Sassanides de la constellation du Triangle. Tous sont catégorisés comme humanoïdes célestes, y compris les Terriens. Les Draconiens reptiliens ont continué à chasser l'espèce humanoïde jusqu'au bord de l'extinction. De la nécessité de survivre et de se protéger est née la Fédération Unie des Planètes, aussi appelée Fédération Galactique ou Fédération Galactique des Mondes. La Fédération est composée de milliers d'espèces extraterrestres et elle a été créée comme moyen de défense contre l'invasion reptilienne et contre l'extinction totale, car certaines planètes ont été tellement dévastés qu'il ne restait qu'une poignée de survivants. À cette époque, l'Atlantide et la Lémurie existaient encore et on voyait toujours Tiamat dans le ciel du matin.
il y avait une colonie lyrienne qui vivait sur Terre, structurée en société holographique. Vous pouvez regarder ma vidéo numéro 22, publiée en 2022, qui décrit ce type de société. Avec l'énergie libre, des aéroports spatiaux, des vaisseaux qui traversaient les cieux, comme l'ont décrit les Upanishads, un texte sacré de l'Inde. Tous vivaient harmonieusement avec d'autres espèces de proto-humains autochtones, comme les Néandertaliens, les Denisoviens et les antécesseurs, qui avaient été implantés par les étortants avant que les extraterrestres ne débarquent, il y a environ 40 000 ans. Tous vivaient en paix et en harmonie à l'époque ancienne de la civilisation pré-Atlantide. Lorsque les Lyriens se sont envolés pour survivre, ils sont arrivés dans les Pléiades, dans le système stellaire appelé Tejet. Ils se sont d'abord installés dans ce système sur une planète appelée Temer. Lorsque l'équipage d'un vaisseau spatial atterrit sur une nouvelle planète inhabitée et inexplorée, ils suivent des protocoles stricts de recherche pour découvrir les dangers auxquels les premiers colons vont devoir faire face. Ils étudient tout d'abord les éléments et produits chimiques présents dans son atmosphère et s'il est possible d'y respirer normalement. La plupart des planètes qui sont apparemment habitables sont mises de côté pour la simple raison que leur composition atmosphérique, même si elle peut être habitée par une vie complexe, sont écartées parce qu'il n'est pas possible d'y respirer. Ensuite, ils étudient la biologie et ils vont rechercher les espèces dangereuses de toutes sortes, en commençant par les plantes et les champignons, leurs spores, le pollen et les graines, et tout ce qui est nouveau et inconnu et qui peut constituer un danger pour les explorateurs et les futurs colons. Ils étudient ensuite les animaux. La planète Temer qu'ils venaient de découvrir était non seulement habitable, mais accueillante à tous les niveaux. Ils s'y installèrent donc et devinrent ce que l'on appelle de nos jours les Pléiadiens Tégétans, dont Zen, mon principal contact, est un commandant d'une flotte et pilote d'un vaisseau spatial. Les premiers colons iriens ont continué, quand ils se sont installés sur Temer, ont continué à explorer les planètes proches. Ils ont découvert à leur grande joie qu'il y avait trois autres planètes dans le système Tejet, qui est un système stellaire binaire avec un soleil central et une naine, et ils découvrirent les planètes Hera, Dakoté et Procyon. Procyon n'est pas le système Procyon du petit chien, Alpha Carnis Minoris, mais la troisième planète du système binaire Tejet. Procyon semblait être une planète accueillante, excepté ses hivers rigoureux et extrêmement froids, un peu comme en Sibérie sur Terre. Ils n'ont pas testé et cartographié la planète comme ils l'avaient fait pour Temer, et non en détail. Un équipage de 50 hommes et 50 femmes, et ils y arrivèrent divisés en deux groupes sur deux vaisseaux spatiaux. Ils installèrent leur camp de base sur une plage près de l'équateur de la planète. Leur camp était fait de structures préconstruites, pliables et modulables, qui s'interconnectent les unes avec les autres, et les premiers jours de leur séjour furent calmes et paisibles, pleins d'espoir à l'idée de cette nouvelle opportunité d'installation, loin des attaquants draconiens reptiliens de la Lyre. Ils ont d'abord été piqués par de grosses guêpes venimeuses agressives, et a coûté la vie à deux personnes qui s'étaient enfoncées dans la forêt pour l'explorer. D'autres explorateurs sont ensuite tombés sur un troupeau d'animaux qui ressemblait à des vaches et qui avaient été tués et mangés par ce qui semblait être de grands prédateurs, et les Lyriens pensaient qu'il s'agissait d'une sorte de panthère. Un peu plus tard, les 98 personnes restantes étaient endormies dans leur camp
et ils ont entendu quelque chose qui bougeait à l'extérieur et qui tapait sur les parois, comme s'ils voulaient entrer par effraction. Quatre volontaires hommes sont sortis, armés jusqu'aux dents, pour voir ce qui se passait sous les lumières des projecteurs qui éclairaient le camp. Ils n'ont pas eu le temps de vraiment sortir qu'un troupeau de grandes créatures carnivores, de la taille d'un ours, avec de longues queues et de grandes gueules courtes, comme des crocodiles, ornées de dents acérées, et qui se déplaçaient extrêmement vite, les attaquèrent. Tous les Lyriens ont été dévorés, excepté trois membres d'équipage qui étaient armés et qui ont réussi à être rapatriés par un vaisseau qui était venu à leur secours. Donc, sur la colonie de 100 personnes, trois seulement ont survécu. Ils ont par la suite étudié ces créatures qu'ils ont appelées des Gunaboules, une sorte de reptile très dangereux. Ils se cachent dans des terriers pendant le jour et ils sortent la nuit pour chasser. Ils représentent toujours de nos jours une menace pour les Pléiadiens Tégétans qui ont finalement réussi à s'installer sur cette planète, comme Kyla de Procyon, donc Kyla, un autre de mes contacts, qui est pilote de vaisseau spatial et ami proche de Xen. À cette époque, sur Terre, se développait cette civilisation lyrienne holographique avancée, des groupes de lyriens qui appartenaient à la civilisation lyrienne qui s'était sauvée pour survivre. Donc ils arrivent dans les Pléiades, ils arrivent dans la constellation du Triangle, et puis ils arrivent dans Sol 13, et enfin sur la Terre. Donc les Lyriens s'étaient déjà installés et formaient déjà une colonie, les Pléiadiens sont ensuite arrivés, et comme les Lyriens, ils ont établi une colonie. Lyriens d'abord, puis Pléiadiens, coexistaient harmonieusement, tout autant qu'avec les proto-humains qui étaient déjà aussi installés. Cette première base pléiadienne, ou première colonie, d'origine Tégète, se trouvait sur Terre, sur un continent, aujourd'hui partiellement submergé, appelé l'Océanie. Ils ont nommé leur base Lémurie. C'était une communauté qui vivait au sein d'une civilisation positive à l'échelle de notre planète. Donc notre société à cette époque-là était une société planétaire. La Lémurie n'était pas seulement une zone géographique, c'était une civilisation complexe composée de multiples colonies. Donc les Lyriens, anciennes colonies, les Pléiadiens et les proto-humains coexistaient en harmonie jusqu'à ce que, chassés de nouveau par les draconiens reptiliens, ils durent se battre sur Terre parce qu'ils sont arrivés ici, les draconiens reptiliens, ils ont aussi atterri ici, et il y eut une grande bataille connue sous le nom par les extraterrestres de Première Guerre Ancienne, où des armes nucléaires ont été utilisées contre eux. C'est pourquoi il y a encore de nos jours des traces de radioactivité ionisante dans certains pays d'Asie ou du Pakistan. Donc ceci se passait il y a plus de 40 000 ans. La Terre a été visitée par d'innombrables races extraterrestres qui ont laissé des traces physiques et leur influence. Les Atlantes, par exemple, qui viennent du système solaire d'Atlas, dans les Pléiades également, sont quelques-uns de ceux qu'on appelait, ou qu'on appelle toujours, les géants, qui mesuraient 8 à 10 mètres de haut. Les Atlantes ont influencé plusieurs zones de la Mésoamérique et leur dernière visite remonte à, il y a 600 ans, vers les années 1400, dans la région qui est aujourd'hui le centre du Mexique, à Tula, au Mexique, aussi appelée Atlantes de Tula, la capitale légendaire des Toltecs. Ils sont membres du Conseil d'Alcyone et donc de la Fédération Galactique, mais ils ne sont pas revenus sur Terre depuis. Il y avait aussi sur Terre des Pléiadiens du système stellaire Céléano et des colonies andromédienne dans la région qui est aujourd'hui l'Inde,
le Tibet et le Pakistan. Ces races ont semé de nombreux concepts qui serviront plus tard de base à l'enseignement du Bouddha, comme le karma et la roue du samsara. De nombreux êtres bleus, comme Shiva, n'étaient pas des dieux, mais tout simplement des extraterrestres, ce qui explique aussi directement pourquoi les dieux de l'hindouisme ont la peau bleue et que leur espérance de vie dépassait largement celle des autochtones. C'était simplement des extraterrestres de la branche andromédienne qui ont la peau bleue. Nous verrons cette lignée lors du webinaire du 21 juillet 2024 qui leur est consacré.